je n'ai pas vu arriver le nouveau jour que déjà j'entends la rumeur de la petite ville qui se réveille comme une servante sur la pointe des pieds. Une femme m'apporte du café, la tasse blanche, la nappe brodée. Elle a attendu que je finisse de boire. La manière de dire bonjour à Baradère. L'homme est arrivé un peu plus tard, avec son chapeau sur la poitrine. Je lui fais une place à côté de moi. Il s'assoit. Il ne dit rien pendant un long moment. C'est ma tombe, murmure-t-il. Toute ma famille y est enterrée depuis 4 générations. Je me mets immédiatement debout. Restez. C'est un honneur pour nous. De nouveau ce silence que je n'entends pas rompre. C'est ma femme qui vous a reconnu. Ah ? Vous me connaissez ? L'Egba. Il me confond avec le dieu qui se tient à la frontière du monde visible et du monde invisible. Celui qui peut vous permettre de passer dans l'autre monde. Je n'étais pas dans le pays. On le sait. Je suis venu enterrer mon père, et c'est moi qu'on accueille comme un dieu dans sa ville natale. On vous attendait, fait-il gravement. Mais je ne suis pas l'Egba. Vous êtes le fils de Winstor K, mon camarade de classe. On a fait nos classes primaires ici ensemble. Me voilà bouche bée. Si on ne savait pas qui vous étiez, vous ne seriez plus vivant à cette heure. Vous n'êtes pas le premier qui revient enterrer un proche. Ah bon? Mais c'est la première fois que j'en vois un sans cadavre. Et puis, vous êtes accompagné de l'Egba. Et l'Egba qui a choisi de passer la nuit sur notre tombe. Nous ne méritons pas un tel honneur. Je me demande, à quel signe avez-vous reconnu l'Egba ? La poule noire. La poule ? Oui, la poule noire. Bien sûr, la poule noire. Il faut parfois faire semblant de comprendre. C'est une manière rapide d'apprendre, car personne ne vous expliquera ici ce que vous êtes censé savoir. Un grand chien maigre et galeux vient se frotter contre sa jambe. Je me demande si lui aussi n'est pas un dieu. La constellation du chien que j'ai vue cette nuit. Les enfants traversent le cimetière pour se rendre à l'école. En passant, ils frôlent de leurs paumes la tombe de leurs ancêtres. Une façon de garder un contact quotidien avec ce monde.